J'ai vu une maman tout à l'heure ici qui a la tête rasée. She has a shaved head. Les caméras l'ont montré tout à l'heure. Oh, c'est la tête teintée que j'ai vu comme rasée. He's a tainted head, I saw. OK. Fine. Maman, c'est votre quantième fois de venir ici. For how long have you come here? Plus de 3 ans. Plus de 3 ans que vous venez à Réma. More than 3 years you come to Réma. Et je ne vous connais pas. And why don't I know you? Les Keturas ne font pas le bruit. Hein. Keturas are just... Keturas est là. Quand tu leur dis, hey, tu étais où depuis? Vous êtes d'où, maman? Balengou. Vous êtes Balengoum. Oui, Balengou. Que Dieu vous bénisse. Pas Banganté. Pas Banganté. Même si ce n'est pas Bafia, il n'y a pas de problème. From Bafia. No problem. On va juste prier. Maman, vous dites que vous êtes de l'Ouest. You are from c'est the ça? West. Oui, vous êtes de l'Ouest. Oui, papa. Vous êtes de l'Ouest. Oui, papa. Vous êtes d'où? Balengou. De Balengou. Balengou, c'est votre village? Oui, papa. Balengou, c'est votre père, hein? Oui, papa. C'est votre mère, hein? Oui, papa. D'accord. Je veux commencer avec elle parce qu'elle est plus âgée. Oui, est-ce que je peux vous parler? Oui, ok. À l'heure où je suis en train de vous parler, vous êtes en train de réfléchir sur toute votre vie et vous n'êtes pas contente. Vous n'êtes pas contente de la façon dont votre vie s'est passée. Parce que vous êtes déjà âgé. Vous savez que vous êtes en train de partir déjà. Mais quand vous regardez votre vie, vous n'êtes pas contente. C'est vrai, papa. Vous n'êtes pas du tout contente. Je vous ai vu à l'époque avec une amie qu'on appelait Victorine. Oui, papa. Hein? C'était votre amie. Oui, papa. Elle est où maintenant? Je ne connais pas là où elle est. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Longtemps, papa. Hein? Longtemps. On l'appelait comment? Victorine. On l'appelait comment? Victorine. Vous avez dit un jour à Victorine. Vous lui avez expliqué que vous n'êtes pas contente. Que même le mariage où vous étiez malheureuse. Parce que c'est un mariage où vous êtes parti pas parce que vous vouliez. On vous a forcé dans le mariage. Parce que vous étiez encore trop jeune. Oui, papa. Vous êtes entré dans le mariage. Vous n'avez pas connu de bonheur dans le mariage. Vous avez déjà Victorine. Et le jour là, vous étiez en train de pleurer. C'est vrai, papa. Vous pleuriez. Vous disiez à Victorine, parce que Victorine était venue à la maison pour rencontrer. Elle est venue, vous a trouvé à la maison. Et vous êtes assise au salon avec elle. Vous étiez d'abord à la véranda. Après, vous êtes quitté, vous êtes entré dans le salon. Et vous avez commencé à lui raconter. Comment vous êtes malheureuse? Vrai, vous avez papa. Dit non, vraiment? Parce que vous étiez dans une réunion avec Victorine. C'est vrai, papa. Hein? C'est vrai, vous papa. Étiez dans une réunion. Papa. Et la réunion se passait chez une femme qui était aussi votre amie. C'est vrai. Qu'on appelait Mapo. C'est vrai, papa. C'était Pauline. Oui. C'est ça? Oui, papa. Maman Po. Maman Po. Et Victorine est venue vous chercher pour vous amener chez Maman Pauline. Et vous étiez en train de causer. Vous l'avez parlé de votre vie. Elle vous a dit que non, tout ce que Dieu fait est bon. Oui, papa, c'est vrai. C'est ça? C'est ça, papa. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai déjà causé avec vous un jour. Non, papa. Bien. Quand vous étiez jeune, le mariage dans lequel vous êtes allé n'est pas le mariage dans lequel vous devriez aller, que vous voulez aller. C'est vrai, papa. Vous aimiez un jeune homme. C'est vrai, hein? C'est vrai, qu'on appelait Victor. Oui. Il y a un jeune homme qu'on appelait Victor. C'est vrai, papa. Qui vous aimait. Qui voulait vous épouser. Et c'est lui que vous aimiez. Mais vos parents n'aimaient pas Victor. C'est vrai, papa, c'est vrai. Victor est où maintenant? Victor à Douala. Il est où? À Douala. On l'appelle comment? Victor. On l'appelle comment? Victor. Jesus. Elle n'a pas épousé l'homme qu'elle voulait. She didn't marry the man she wanted. Et vous avez commencé à pleurer. Elle a dit à Victorine, vraiment, c'est... Et Victorine vous a consolé. Victorine vous a dit non. She told ça you va. It's okay. Ne pleure pas. Don't cry. Tout ce que Dieu fait est all bon. God does. Parce qu'à l'époque, je vous ai vu avec un homme qu'on appelait Thomas. Hein? Oui, papa. Papa Thomas. Papa Thomas. Je vous ai vu avec lui, marié à cet homme. Married with et Victorine vous a dit non. And Victorine said no. Tout ce que Dieu fait est bon. All God does is laisse le temps de Dieu. Allow God ce qui est sûr, peut-être Dieu te garde sure, des choses plus bien devant. Ou peut-être même Victor peut même revenir. Or Victor can come back. C'est vrai, ah. Papa. Jesus.
À un certain moment, vous avez commencé à faire le commerce. Même maintenant, je fais le commerce. Bien. Quand vous avez commencé à faire le commerce, vous avez croisé Victor. Et Victor vous a dit, ah, tu sais, c'est moi qui allais t'épouser. Mais tu n'as pas voulu. Vous lui avez dit, non, ce n'est pas moi. C'est mes parents qui... Oui, et il vous a donné son numéro de téléphone, un numéro orange, qui était 690-99-66-60 quelque chose à la fin. Et vous avez commencé à... Mais Victor est déjà marié. Et il est marié à une femme de l'Ouest toujours. Mamita. Le petit nom de la femme, c'est Mamita. Mamita. Et Mamita était votre voisine au village. Oui, papa. On était ensemble. Hey! Parce qu'elle est plus âgée. Nous commençons la prophétie sur elle. Nous appelons ça la prophétie par droit d'aînesse. Maman, regardez-moi. Dieu est le Dieu des restaurations. Amen. Et le mois d'août, c'est un mois de restauration. Amen. Je vous ai vu avoir un problème de terrain avec quelqu'un. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Il y a un problème de terrain. Au village. Oui. Il y a un homme qui veut prendre notre terrain. Oui. Au village, papa. Oui. Il veut prendre votre terrain. Oui, papa. Papa Emma. Papa. Oui, papa. Il s'appelle Emma. Oui. Vous l'appelez Papa Emma, c'est ça? Papa Emma, right? Papa Emma. Papa Emma. On est même à la justice. Vous êtes à la justice. Oui, papa. Écoutez maintenant la parole de l'Éternel. Amen. Il va abandonner le dossier. Amen. 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 Clamita Udolferosa Ina Edromi. Mama. Oui, papa. Le mois d'août, amen. Dieu va vous toucher, faire toucher l'argent. Amen. Montrez-moi la main, montrez-moi show vos mains. Show me the hand. Le mois-ci, amen. Vous allez voir ce qui va se passer au tribunal. Amen, papa. Papa Emma va. Papa Emma. Désister. Amen. Il va disparaître. Le tribunal va dire que, ok, comme le plaignant ne vient plus, partez avec votre terrain. Amen. Amen, papa. Amen. Hey. J'ai trop prié pour ça. Et Dieu me dit de vous dire ceci. Parce que vous l'aimez et parce que vous mettez votre confiance en lui, à partir du mois d'août, Dieu vous amène de gloire en gloire. Amen. À partir de ce mois. Amen, papa. Tous ceux qui ont votre argent. All those who get your money. Amen. Tous ceux qui ont votre argent. All those who owns your money. Vous savez que à l'époque où vous étiez dans la cotisation, chez Mama Pauline. In Mama Pauline's place. Il y a une femme là-bas qui a pris votre argent. Oui, papa. Anne. Your money. Anne. Anna. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Elle a pris votre argent. Oui, papa. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, papa. Elle ne vous a pas remis. Est-ce qu'elle vous a remis? Non, papa. Ok. Vous croyez que je suis un prophète? Oui, papa. Vous croyez? Je crois, papa. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Écoutez. Listen. Dieu m'a dit ceci. Afin que vous sachiez qu'il y a des prophètes dans ce pays, qu'il y a des hommes qui cherchent Dieu de tout leur cœur et que Dieu connaît par leur nom. Amen. Amen. Je reçois. Anna, Maman Anna, va vous trouver au marché. Amen. Elle va vous croiser au marché. Et elle va vous dire, ah, je te cherche depuis. Amen. Et elle va vous remettre votre argent. Amen. Je reçois. Et tous ceux qui retiennent votre argent, amen, cette année, amen, vont vous chercher par le feu, amen, et les sept tonnerres de Dieu pour vous rembourser. Amen, papa, je reçois. Vous savez, laissez-moi vous montrer quelque chose. Votre mari est où? Il est ici à Yaoundé. Hein? Il est ici à Yaoundé. Ok. Fine. Il y a eu un problème avec lui. There's been a problem with au village. In the village. À la chefferie. In the chief, the avec un notable.
Oui, papa. Il faisait la ligne du, de Guinée et un gars est mort dans l'eau. On a dit que c'est lui qui a tué le gars là. Ils sont partis à la chefferie. Il y a, et à la chefferie, il y a un notable dans votre village qui a décidé qu'il va faire du mal à votre mari. Et il a dit que l'année si votre mari ne va pas finir cette année. Fire. Je vous donne son nom. Je vous donne le nom de cet homme. Oui, papa. Écoutez, maman. Votre mari, on lui a porté plainte. Oui, papa. La famille de l'enfant a porté plainte à la chefferie. Oui, papa. On a appelé votre mari. Et il est arrivé à la chefferie. Et à la chefferie, on lui a demandé de faire quelque chose. Il a refusé. Pour résoudre le problème. Et il a mal répondu à un notable. Et ce notable s'est fâché. Et il a pris votre mari à cœur. Et ce n'est pas seulement ça que votre mari a comme problème au village. Lui aussi a des problèmes de terrain au village. Oui, papa. L'héritage. C'est vrai, papa. Jesus! Vous me suivez? Oui, papa, c'est vrai. J'ai vu un endroit qu'on appelle comme forme. Ou c'est une forme. Ou c'est une forme. Ou c'est une forme. Ou c'est une forme. Oui, papa, c'est vrai. Hein? Oui, c'est. On prononce comment? How do we pronounce it? Forme. Forme. Oui, papa. Forme. 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 L'homme-ci a juré que votre mari ne reprendra plus jamais ses terres. C'est vrai, papa. C'est un notable. Oui, c'est un notable. On l'appelle. He's called. Papa. Papa. Binam. Binam. Jean. Jean. C'est un notable dans votre village. C'est vrai, papa, c'est vrai. C'est l'un des principaux notables. C'est vrai, papa. On dit même qu'il est sorcier. Hein? On dit même qu'il est sorcier. Qui dit ça? C'est les gens du village que non, mon mari n'est pas plus là-bas. Donc votre mari n'est pas plus là-bas? Oui, papa. D'accord. Jesus. Zaramina Udalo. Tes ennemis. Son mari n'est pas appelé à cause de papa Binam, c'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire quoi? Je vais dégager la route, son mari va voyager. Amen. Quelque chose va se passer au village. Amen, papa. Vous allez entendre ça. Amen. Dans les semaines qui viennent. Amen. Le notable s'il va tomber gravement malade. Amen. Amen, papa. Amen. Et la maladie, ce sera un AVC. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Dieu va le mettre à nu. Amen. Et des problèmes vont surgir au village. Amen. Sur lui. Amen. Tout le mal qu'il a fait. Amen. Dieu va déterrer sa conscience. Amen. Et votre mari, dis-lui que j'ai dit qu'il va retourner au village. Amen. Qu'il n'ait pas peur. Amen. Il va reprendre tout son héritage. Amen. Personne ne l'empêchera papa. De le faire. Amen. Amen. Zamina Oud Balouz, I bless you. Je vous bénis. In Jesus' name. Au nom de Jésus.